pastel. Il n'est pas pastel. Quand j'ai dit aux frères de l'église que j'avais prié juste ici à côté, j'ai demandé à la chorale de chanter un peu plus fort, question de m'accompagner dans la prière de délivrance. J'espère que ça ne va pas vous gêner. Non, c'est une très bonne idée, pasteur. Comme vous les entendez chanter, là, c'est pour nous accompagner dans la prière. Pour que les louanges arrivent juste ici, donc on sera tous ensemble dans la prière. C'est très important, pasteur, c'est très important. Dès que je suis entré là, j'ai senti les démons. Vous voyez comment je transpire déjà. Voilà. Donc, c'est les démons de ma soeur. Oh, cette maison a été par les démons. Cette maison a besoin d'être délivrée. Alléluia. Amen. Elle est où là? Non, pasteur. Oh. Laetitia! Laetitia! C'est comme ça. Bien, pasteur. Assieds-toi. Non, elle va s'asseoir ici. Ah, le Seigneur voudrait qu'elle s'asseye ici. Oui. Que le Seigneur veut que tu t'assoies ici, là. Que non, ni non, que fion, non, non, le Seigneur est merveilleux. C'est un vrai pasteur. Oui, je suis un pasteur ou un parmi du Seigneur. C'est le pasteur de l'église et du passé. Et il fait quoi ici? Il fait quoi ici? Selon toi? J'ai appelé le pasteur pour qu'il vienne prier sur toi, qu'il enlève les démons de l'escroquerie, les démons des hommes que tu amènes chaque jour ici à la maison, les démons des 16 000 que tu passes dans la maison, dans la maison, c'est là. Les démons du fait que tu me nuis chaque jour dans la maison, c'est là. Pasteur, pour regarder cette fille ici, c'est le diable incarné. Non, ça se voit. Ça se voit. Elle est remplie avec le pasteur, elle est chargée. Elle a les démons d'escroquerie, elle a les démons des escroqueries de 500 000. Elle a les démons qui passent chaque jour que j'ai accueilli dans cette maison. Oh, il faut la délivrer. Il faut la délivrer, le Seigneur merveilleux. Parce que elle a les démons des hommes. Elle a mis les hommes dans la maison aussi chaque jour que j'ai accueilli. Ma fille. Ciao. Ça, c'est un vrai pasteur. Oui, je suis un vrai pasteur. Quelle question tu poses comme ça là? Et je suis là pour te délivrer. Voilà. Pour te délivrer des bras de démons. Voilà. Ma fille. Est-ce que tu vas bien? C'est le pasteur d'en bas là. Parce que tu vois, généralement, quand Belzébuth prend possession d'un corps, d'un magnifique corps comme le tien, il y a toujours une montée de chaleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, tu es la créature du Seigneur. Tu es la créature de Dieu. Tu es le genre de créature que Dieu lui-même, il a pris son pinceau. Il a pris le soin de dessiner. Là où il y a une imperfection, il a nettoyé, il a fait, il a redessiné. En fait, tu es belle en quelque sorte. Alléluia. Amen. Et justement, quand tu es habité par le genre de démon, là, il faudrait un pasteur comme moi pour te délivrer. Alléluia. Amen. Et on m'a dit que, ton frère m'a dit que tu es habité par le démon de l'escroquerie. Alléluia. Amen. Mais t'inquiète plus pour ce démon-là, parce que quand je vais te faire entrer dans mon église, tu ne vas plus penser à escroquer les hommes, mais tu seras plutôt escroqué. Bon, après, tu vas donner sans vouloir. Alléluia. Amen. Pasteur, elle n'escroque pas les hommes. Elle aime les hommes. Elle amène les hommes dans la maison chaque jour. Chaque jour. Elle charrie ses mains. Ah bon? C'est normal. Une belle créature comme toi. Les hommes sont plus attirés. Et maman te pousse toujours vers eux. Belzébuth te pousse toujours vers eux. Et je vais lancer la prière de bénédiction là maintenant. Je vais lancer la prière de délivrance là maintenant. Pour chasser tous les démons dans ce merveilleux corps. Pour chasser tous les démons dans cette beauté. Un démon ne doit pas habiter dans une beauté comme ça. C'est le pasteur qui doit habiter là. Alléluia. Alléluia. Ma soeur. Frère. Tu vas tenir la Bible. Ma soeur, donne-moi ta main. On va commencer la prière de délivrance. N'aie pas peur. Le pasteur qui est en face de toi est tout puissant. Tu vas permettre, je vais poser ma main ici parce que je dois toucher son cœur. Parce que c'est son cœur qui la pousse vers les hommes. Je vais pousser. Le pasteur, mais vous arrêtez les mains. Non, ce ne sont pas les mains qui la poussent vers les hommes. C'est son cœur. C'est son cœur. Il faut toucher son cœur. Alléluia, ma soeur. Voilà, on va mettre la main ici à l'intérieur comme ça là. Et on va commencer la prière. Tu vas fermer les yeux. Voilà. Oh, chérie, papa. Oh, éternel, Dieu tout puissant. Oh, voilà la plus belle fille que j'ai jamais vue. Même dans mon église, il n'y a pas la qualité. Oh, éternel, Dieu tout puissant.
tout son cœur Amen. Pour qu'elle soit aveugle lorsqu'elle voit les autres garçons. Amen. Tout son cœur pour qu'elle ne pense même plus aux autres garçons. Amen. Tout son cœur pour que désormais dans sa vie, elle ne pense qu'à un seul garçon. Le serviteur du Seigneur que je suis. Alléluia. Tout son cœur pour que désormais ce ne soit qu'au serviteur du Seigneur qu'elle pense. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas entendu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que la sœur ici peut promettre au Seigneur qu'elle ne va plus avoir de yeux que pour le serviteur du Seigneur? Elle va regarder que le serviteur du Seigneur. Elle va oublier tous les hommes. Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur accorde à celui qui veut. Pasteur. Non, nous sommes encore en pleine phase de délivrance. Non, non. Comme ça, c'est bon. Pasteur. Ouais, le mot, tu serais plus, dis donc. Voilà, ma soeur. Priez, pasteur. Oui, on va prier. Mais maintenant, on va passer à la seconde phase de notre prière. Ça va se faire debout. Tu vas t'élever. Parce que là, il faut le contact. Il faut que tous ces démons-là sortent de ce corps. Il faut. Approche-toi. Voilà. Tu vas me serrer comme ça. Oh, chérie, papa, 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 papa. Ah, le Seigneur est magnifique. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur est puissant. Maman, sors de ce corps. Belzébuth, sors. Fiche le camp. Cette femme ne t'appartient pas. Elle appartient au serviteur du Seigneur. Oh, pasteur, pasteur, pasteur. Pasteur, c'est comment? Ça va? Non, nous sommes en train de. Il faut maintenant passer à une phase de délivrance. Priez, pasteur. Ah, chérie, papa, 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 papa. Oh, sors de ce corps, Belzébuth. Oh, maman, sors de ce corps. Sors de ce corps. Alléluia. Oh, le Seigneur est puissant. Le Seigneur est maître. Ah, 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 le Seigneur. C'est quoi? Pasteur, c'est quoi? Frère Christian, n'anticipe pas ton cœur. Maintenant, les démons-là sont sortis. Et je n'aime qu'un seul homme. Le pasteur. Alléluia! Pasteur, c'est pas ce qu'on t'était dit. C'est pas ce qu'on t'était dit. Non, non, mais là, pour la délivrance, mon frère. Non, 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 ça va. Laisse-moi me délivrer, dis donc. Voilà, viens, on continue à délivrer. Oh, éternel Dieu! Oh, chérie, papa, papa! Oh, papa! Oh, papa! Pasteur, pasteur, c'est quoi? Arrête ça, c'est quoi? Non, c'est pour la délivrance. Non, mais c'est pour la délivrance de quoi? La séance n'est pas encore finie. Non. On va encore passer à la phase de délivrance corporelle. C'est-à-dire qu'on va lever ses habits. On va lever de la forme. Non, non, non. Mais tu sais, ça veut dire quoi? C'est quoi? Tu ne veux même pas la forme. Tu ne veux même pas la forme. Attends pas là-bas. Les mots sont dangereux. Je vais te conseiller de juste sortir, de nous laisser pour que la prière soit à huis clos. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, chérie, papa, papa. Oh. Oh le Seigneur, est-ce que le Seigneur a touché ton cœur? Il a touché mon cœur. Est-ce que tu vois encore notre garçon dans ta vie? Non. Oh, il n'y a que le serviteur du Seigneur que tu vas voir. Oui, pasteur. Il n'y a que le serviteur du Seigneur que tu dois voir. Et tu vas. Non, pasteur, c'est quoi? On n'a pas fini la prière. Non, ça va. Est-ce que le serviteur du Seigneur peut devenir l'unique propriétaire de ce corps? Oui, pasteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, à partir de maintenant, tu n'appartiens qu'au serviteur du Seigneur. Amen. Maman, sors de ce corps. Maman, sors. Ah, c'est ça, pas ça, ça va. C'est comment je l'ai dit. Il faut la délivrer. Non, ça va, les délivrer plus, ça va, laisse ça. Ce soir, c'est démons là. Délivrez-moi. Voilà, les démons me font transpirer. Attendez. Parce que tu ne connais pas encore l'histoire de Marie-Madeleine. Elle a touché le Seigneur. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle n'appartenait qu'au Seigneur. Et comme moi, je viens de te toucher là, désormais, tu n'appartiens qu'au serviteur du Seigneur. Amen. Oh, je vais papa, 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 papa. Le Seigneur, en venant ici, m'a dit, pasteur, va, il y a une brebis perdue dans cette maison. Tu vas la récupérer, l'amener dans ton église et faire d'elle ta femme. Alléluia. Alléluia. Alors, le Seigneur est merveilleux. Répète avec moi, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le merveilleux Seigneur. Oh, 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 Sors. Tu m'as appelé pour me faire délivrer, non? Je me suis fait délivrer. Maintenant, tu as chassé mon pasteur ou quoi? Ton pasteur? Tu fais ça comment? Terminé pour faire la défaite pour la tamoutinesse. C'est quoi ça? Tu as dit que c'est le pasteur de l'église qui est derrière là, non? Sache qu'à partir de demain, je vais dormir dans cette église.